Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HUVIDS et je vous retrouve pour la première, je pense, d'une très longue série de vidéos très courtes, de guides et de tips pour jouer à Black Desert Online. Et oui, ça fait déjà bientôt 4 jours que je joue au jeu, il est sorti officiellement aujourd'hui et c'est l'occasion pour moi de vous partager un peu tout ce que j'ai pu accumuler comme connaissances. Tiens, c'est marrant, mon employé qui passe là comme ça. Bah alors, tu fais ta vie, branleur, dépêche-toi, cours pas vite. Donc, on va commencer tout de suite par une des premières choses que vous allez peut-être pas comprendre et qui est pourtant très sympa et surtout très importante à faire au fur et à mesure que vous allez monter votre perso et découvrir le monde de Black Desert Online, la connaissance. Ou les knowledge sur la version anglaise. La connaissance, alors vous pouvez appuyer sur échappe, je crois pas si c'est H. Donc, appuyez sur H, vous arrivez sur le menu des connaissances. Donc c'est normal qu'il n'y a rien dans les bulles. Vous avez un petit menu à droite et donc dans Black Desert Online, vous pouvez avoir de la connaissance sur plein de variétés de choses. Vous allez avoir de la connaissance sur tout ce qui est en rapport avec des personnages, donc des PNJ. Vous allez avoir de la connaissance de topographie, donc des régions. Vous allez avoir la connaissance des océans, donc c'est comme les régions mais sur l'eau. Vous avez la connaissance en écologie, donc ça va être tout ce qui est plantes, tout ce qui est créatures sauvages, etc. Vous allez avoir le journal d'aventurier qui dépend de votre quête principale. Vous allez avoir de la connaissance érudite et de la connaissance en rapport avec des crafts, en rapport avec l'histoire du jeu, avec des artefacts, ce genre de choses. Vous aurez des compétences vitales qui sont plus en rapport avec le soin, soigner du poison, etc. Et vous aurez enfin les secrets de Black Desert du désert noir, c'est très moche qu'il ait traduit, qui sont des choses un peu plus diverses et variées. La connaissance, vous allez voir dans quelques instants à quoi ça sert, mais déjà ça marche comme ça. Donc mettons, on va dans personnage, et donc on va dire que je cherche de la connaissance en rapport avec le Balenos Est. Et donc dans Balenos Est, qui est une des grandes régions de Black Desert Online, vous allez avoir des connaissances par rapport à, par exemple, regardez, étranger de Velia, villageois de Velia, etc. Je sais pas si on va partir sur Olvia. Idel, non, on va rester là-dessus. On va voir ce qu'il y a dans les villageois de Velia. Velia, je vous rappelle, c'est une île, une ville. Donc là, vous allez avoir une liste de PNJ. Alors normalement, si vous ne connaissez pas tout le monde, vous allez avoir des points d'interrogation comme ceci. Premier tips pour la connaissance, quand vous ne savez pas trop ce que vous devez chercher. Alors ça marche pas mal pour les PNJ, pour les créatures, c'est un peu moins évident. Il suffit de mettre votre souris sur les points d'interrogation et vous aurez une petite info pour vous aider à trouver le PNJ. Par exemple, l'agriculteur de la ferme de Finto, c'est-à-dire qu'a priori, le PNJ qui me manque, si je trouve la ferme de Finto, il est dedans. Voilà. Donc, acquérir des connaissances sur les personnages, ça se fait de la manière suivante. Vous allez voir sur votre map. Alors là, par contre, j'ai découvert tout le monde. On va chercher un endroit où je ne connais pas tout le monde. Et si j'en ai un que je ne connais pas, si, ici. Donc sur votre map, vous allez voir des personnages avec un peu flou, enfin un peu transparent, avec un point d'interrogation au-dessus de la tête. Eh bien, ça veut dire que ce personnage-là, vous ne le connaissez pas et qu'il a, vous devriez le connaître. Il suffit d'aller le voir, de lui parler. S'il refuse de vous parler, ce qui peut arriver, ils vous diront que vous n'avez pas la connaissance nécessaire pour lui parler. Eh bien, parler à des PNJ qui sont généralement autour de lui, dans les grandes villes alentours, etc. Ça vous permettra en fait de compléter votre journal de connaissances parce que le PNJ a un minimum de connaissances dans votre journal pour vous adresser la parole. Une fois que vous allez lui parler, donc vous le verrez, ça sera toujours un PNJ avec une petite icône avec deux personnes qui se parlent au-dessus de la tête, ce qui signifie que... Ah non, j'ai pas envie. Ce qui signifie tout simplement qu'il a une conversation à avoir avec vous. Vous allez lui parler, vous aurez un petit dialogue en bas et ding ding, vous verrez la connaissance apparaître. Ça, c'est pour la connaissance des PNJ. Pour la connaissance en bio, etc., c'est tout simple. Par exemple, connaître le sapin, si vous l'aviez pas la connaissance, eh bien, il suffit de prendre une hache et de couper le sapin un certain nombre de fois. Et au bout d'un certain nombre, alors ça peut être plus ou moins long, c'est aléatoire, vous allez acquérir la connaissance du sapin. Si par contre c'est une connaissance en rapport avec une créature, ça va être un peu plus compliqué, il va falloir la tuer un certain nombre de fois. Alors c'est encore une fois aléatoire. Donc vous allez tuer n'importe quelle créature, hein. Tout ce qui se tue dans le jeu vous donnera de la connaissance. Et au passage, hein, si vous n'avez pas la connaissance de la créature, vous ne verrez pas sa barre de vie se vider. Une fois que vous avez acquéri la connaissance nécessaire, vous verrez sa barre de vie se vider au lieu de l'avoir simplement passé du vert au jaune, puis au orange, puis au rouge, etc. Un petit détail pour ce qui est des connaissances sur les créatures, quand vous tuez des créatures et que vous obtenez une connaissance, vous obtiendrez une note, d'accord? Pas la peine de continuer à former le mob pour essayer d'améliorer votre note, ça ne fonctionne pas comme ça. En réalité, ce qui va améliorer votre note, ça va être tout simplement le fait
vous aurez un score qui est aléatoire, donc une note aléatoire. Plus tard, dans, je crois, la ville de Calphéon, si ma mémoire est bonne, vous aurez un PNJ qui vous proposera d'oublier la connaissance d'un mob, et faire cela permettra de retourner tuer le mob et d'essayer d'avoir une meilleure note, puisque la note est complètement aléatoire et ne peut pas s'améliorer une fois qu'elle est obtenue. Voilà, après vous aurez encore d'autres connaissances en parlant à des artefacts et ce genre de choses, mais voilà pour les grandes lignes de comment on acquérir de la connaissance. Vous pourrez aussi acquérir plusieurs types de connaissances via le système d'amitié, et c'est pour ça que je vous parle dans un premier lieu de la connaissance, parce que ça va nous amener au guide qui devrait sortir ce soir ou demain en rapport avec l'amitié. J'ai voulu scinder les guides en toute petite vidéo pour que ça soit plus simple et plus concis. Donc voilà, donc je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Cette fois, on va voir l'essentiel de l'intérêt d'avoir ces dites connaissances pour pouvoir jouer au mini-jeu de l'amitié, et je vais vous expliquer un peu comment marche ce mini-jeu. Si vous avez aimé cette vidéo qui vous a rendu service, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Black Desert Online. Au passage, je vous rappelle que nous avons un clan. Si vous ne voulez pas jouer tout seul, vous avez deux solutions. Soit vous venez postuler dans le clan sur le site de hvitz.com, sur le forum, donc /forum. Vous allez postuler, on accepte toutes les candidatures, on n'est pas chiant. Soit vous n'avez pas envie de rejoindre le clan, mais vous voulez quand même pas jouer tout seul, vous pouvez venir sur le Discord. Toutes les infos, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !